Assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Adnoir, comme d'habitude, l'actualité footballistique. Je vous souhaite de liker mon maximum la vidéo. Un vidéo, évidemment, sur la JSK. C'est la préparation. Mais je mérite de le match contre l'USG Niger. Alors que nous allons voir comment ça se passe, comment ça va se faire. La préparation durant les événements à Gadin, les événements à Guinée. Et que dans les derniers matchs à Guinée. L'intérêt les résultats, c'est que les résultats là, mais la sérénité, la stabilité, c'est ce qui nous surprend, c'est impossible, c'est impossible, les événements inguinés, donc, d'après ce qui se dit, d'après ce qui a été annoncé au Kouvel, c'est que c'est la conférence de presse. C'est le porte-parole du club, c'est le directeur sportif, on saura ce que dit le président du club, donc voilà. Mais c'est qui la conférence de presse à Guinée, pourquoi la faire maintenant, on saura la parce que je suis allé en Karasnit, pour une fois que ça a des petits résultats, ça a une certaine. Je suis avec l'équipe à Guinée. Mais ressentir les joueurs, évidemment, ça va se faire. Mais le mercato, mais je pense pas le mercato d'hiver, c'est le mercato d'échecs, le football. Je me rends l'équipe le mercato d'hiver, c'est impossible. C'est impossible. Ça se fait pas. Donc, peut-être des semaines d'avoir un entraîneur, mais que son entraîneur, je pense qu'il a carré quoi des semaines d'avoir. Hein? Je le pense. Voilà. Ça va être l'annonce Belek. Hein? Belek, ce sera l'annonce officielle à dire. De la conférence de presse à voilà. Après, il y a un entraîneur qui va le payer avec une somme, et qui ne connaît pas le football algérien. Une somme, voilà. Et les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas payés. Il y a beaucoup de problèmes économiques. Faire venir un entraîneur, alors que pour ramener un attaquant. Afin de se faire une. C'est pour ça que c'est un problème psychologique, un problème. Mental, il y a un problème mental quelque part. C'est rare, pour qu'à la fin, il y a un entraîneur étranger. Elle est défendue bien, elle a marqué les buts, elle a déroulé les points. La tactique technique, ça ne va pas marcher. Cazone m'a dit que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors qu'il y a tous les éléments, les joueurs et les coulisses, mais ça n'a pas marché. Sinon, Anwar Echad dit dans la conférence de presse à Guinée. Et Anwar, on ne le sait pas. Il a dit le bilan parce que. Le CSA, ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Dans les prochains jours, bien sûr, en attendant la réunion du CSA. Hein, la réunion extraordinaire du CSA. Donc, la reprise de la JSK a tiré. C'est gagné. En plus de ça, l'USG Niger a dit bon, il y a quelques jours, d'ailleurs, il revient des entraînements de Cédali et d'Ibika et Mirabou. Il revient des entraînements INES, c'est-à-dire la préparation INES. Même si la JSK a fait un but d'avance avec l'équipe de l'USG Niger, rien n'est fait. Rien n'est fait. Vu la situation du club, même si la seule chose qui est positive, c'est pour une fois, c'est l'équipe, l'entraîneur, les joueurs qui sont concentrés à 100% malgré les difficultés, malgré quoi ils sont toujours concentrés. Et voilà. Ils vont le réussir, il n'y a pas de doute à se qualifier. Mais c'est compliqué. Mais de fin de discussion, il y a Lavrange et la JSK s'est négociée avec Lavrange. Par les déclarations Bouzidi, la déclaration direction n'a pas démenti. Au lieu de faire ce qu'elle devait s'est négociée avec alors que tout le monde s'est négocié avec le Mened, par le fait qu'il y a un salam, il y a un négocié avec le Mened. Donc, la Guinée ou démonter, ça prouve que c'est une véritable négociation avec le Mened,
Oh, Guinée, tu sais, ça va être la même affaire que Vélud parce que les joueurs, ils sont limités tactiquement et ils vont pas s'adapter en 2 minutes à une nouvelle vision du football. Football international, c'est Guinée. Deux matchs, il y a beaucoup de matchs, mais deux matchs précisément. Leeds United contre Tottenham, Marcelo Bielsa contre Mourinho et le Real Madrid de l'Aven contre le Celta Vigo. Les deux matchs, elles viennent débriefer sur la chaîne. Non. Donc, comme on dit, non, 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 non